Actuellement, en Tunisie, la santé publique souffre. Et elle souffre à cause d'une politique qui n'est pas cohérente. C'est une politique de santé qui dure depuis 10 ans, où on n'a plus de stratégie. Il n'y a pas de stratégie de santé. On a eu 12 ministres, ou 13, pendant ces 10 ans. Chacun est venu pour gérer le quotidien. Et chacun ne peut pas, on ne peut pas le reprocher cela, il ne pourra jamais mettre une stratégie à long terme pour avoir une santé publique, un choix de santé publique. Les structures de santé publique sont, comme vous le savez, sur le plan financier, en difficulté à cause du non-paiement des hôpitaux par le CNAM. Cela dure depuis des années. Cela a entraîné un cumul de déficits financiers au niveau de tous ces hôpitaux qui ne peuvent plus gérer le quotidien. Vous savez bien qu'au niveau de la gestion de nos hôpitaux, l'informatisation n'est pas une priorité, quand vous voyez. Et jusqu'à maintenant, on gère de la même façon qu'il y a 30 ans, 40 ans. Autre chose, on a fermé les recrutements. Il n'y a pas de recrutement ni pour les médecins, ni pour les infirmiers, ni pour les... Sauf par des quotas spéciaux, on demande une autorisation spéciale pour avoir ces recrutements. Cela a encouragé les jeunes à immigrer sous d'autres cieux pour assurer leur avenir. Cela, c'est grave. Si ça continue, on n'aura plus de santé publique en Tunisie. Il faut arrêter cela. Il faut que tout le monde s'unisse sur une table, décide d'une stratégie claire et nette qui s'impose à tous les partis, à tous les ministres, tous les partis politiques, tous les ministres qui se succèdent pour permettre d'aboutir à un objectif précis qui est la préservation de la santé du Tunisien. Aujourd'hui, le rassemblement unit tous les médecins tunisiens, libéraux et du secteur public, ainsi que les jeunes médecins et les paramédicaux pour une cause commune à la suite du décès dans des circonstances dramatiques de notre collègue Badreddine Alloui à l'hôpital de Jandouba. Tous les médecins tunisiens unis aujourd'hui sont en colère suite à ce drame et demandent que tous les responsables soient poursuivis judiciairement et administrativement. On demande aussi qu'il y ait une refonte en profondeur du système de santé en Tunisie, une restructuration des hôpitaux. On demande à ce que les résolutions du dialogue sociétal soient mises en application immédiatement, à savoir une assurance maladie universelle et solidaire pour tous les Tunisiens, une première ligne efficace et équilibrée, un partenariat public-privé et surtout une restructuration des hôpitaux pour permettre à la Tunisie, aux Tunisiens, un accès aux soins dignes. Thank you.
بدل ما تحليلينا هو اليوم وغدوانا هو اليوم وغدوانا والو صارت صعيبة عليكم والو صارت صعيبة عليكم.